Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de réaliser une vidéo avant la fin du mois, comme j'ai l'habitude d'en faire pour mon bilan, parce que j'ai reçu depuis ma dernière vidéo, ça fait quelques jours, j'ai reçu encore pas mal de l'eau. Et voilà, donc pour éviter qu'à la fin du mois, ça fasse encore beaucoup trop de l'eau et que la vidéo dure une éternité, j'ai donc décidé de faire une vidéo maintenant pour liquider un peu les lots que j'ai reçus, pour qu'il y en ait un petit peu moins à la fin du mois. Donc tout d'abord, j'ai gagné, alors je vais vous mettre des photos parce qu'il y a des lots qui sont vraiment super lourds et super imposants, donc je vais pas les prendre comme ça un par un. Donc je vais vous mettre les visuels, hein, parce que je les ai pris en photo. Donc j'ai tout d'abord gagné deux lots identiques avec deux jeux différents en fait qui se superposaient. Le premier je l'ai gagné avec la marque Vittel et le magasin Géant, et le deuxième je l'ai gagné toujours avec la marque Vittel mais avec le magasin Auchan. J'ai gagné deux Giroroux V5 noirs d'une valeur unitaire de 500 euros chacune, ce qui représente à L2 un lot voilà, d'une valeur de 1000 euros. Donc c'est un lot, ce sont deux très beaux lots, et en plus je les ai reçus en même temps le même jour. Donc malgré que ce soit deux jeux différents, je les ai reçus le même jour et j'étais vraiment super contente. Deux très beaux gains. Voilà, donc ensuite j'ai gagné un lot aussi imposant. Il s'agit d'un barbecue Weber de la référence Q1200. Il est violet, il est trop beau, il est à gaz, il est d'une valeur de 300 euros. Je l'ai gagné avec le magasin Castorama. Voilà, donc c'est un très très beau gain aussi, mais vraiment le carton il est énorme quoi. Voilà, ensuite j'ai gagné avec les cahiers de vacances Magnard. Deux vols aller-retour pour deux personnes, date et destination de mon choix en Europe. Voilà, donc j'ai reçu, donc c'était un tirage au sort, j'ai reçu ça il y a quelques jours par mail, comme quoi j'avais été tirée au sort. Donc, ensuite, j'ai gagné avec le Cidre de France un abonnement de 6 mois à Chef en Box. C'est une box pâtisserie que je vais recevoir une fois par mois pendant 6 mois. C'est d'une valeur de 168 euros. Pareil, hein, un tirage au sort. J'ai été avertie là il y a quelques jours par mail. Super beau gain. Je ne connais pas Chef en Box. Je ne connaissais pas ce site. Je me suis inscrite, hein, tout de suite parce que j'avais mon code tout de suite qu'ils m'ont donné. Donc je me suis tout de suite inscrite et je reçois ma première box normalement lundi. Et pareil, hein, pour les vols aller-retour avec les cahiers de vacances Magnard que j'ai gagnés, pareil, j'ai tout de suite reçu mon numéro de voucher voilà, pour pouvoir réserver mes vols. Et je suis super contente. Voilà, donc on va maintenant passer aux colis et aux lettres. Donc j'en ai reçu voilà, un peu pas mal. Là, il y en a que j'ai commencé à ouvrir pour me faire gagner du temps. Félicitations. Ah oui, alors ça c'était un instant gagnant avec la marque Elevir. J'ai gagné un mug personnalisé. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Voilà. Drine. Comme vous le savez, je m'appelle Sandrine. Hein, donc, voilà, Drine. Ah oui, et puis. Ah oui, et un lot de couteaux à beurre. Voilà, donc ça c'était avec Elevir. Ensuite, là j'ai pas oublié mes ciseaux cette fois-ci. Je vais faire comme ça. Deuxième lot. Alors, c'est avec Maxi que j'ai gagné ce lot. J'ai gagné une huile anti-eau, jambes légères, intelligence minceur de Dr Pierre Rico. Voilà. Super. Alors, j'ai pas la grande forme aujourd'hui, là, en plus avec cette chaleur, comme je suis asthmatique et tout, j'ai un peu du mal à respirer. Ensuite, ça, alors ça, il me semble que enfin, vu la forme et puis l'envoyeur, là, je suis. Ouais, c'est ça. Alors là, j'ai gagné toujours un tirage au sort avec Coca-Cola, donc on a été nombreux à le recevoir. Donc avec le premier jeu. Capri Sun, j'avais gagné, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, le t-shirt édition limitée Lapin Crétin. Et donc là, j'ai remporté un jeu de Nintendo Switch Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Voilà.
J'ai remporté les deux jeux en fait, tirage au sort, c'est super. Et j'ai une amie concouriste là, Gaëlle, hein, bah, tu te reconnaîtras, bah, en même temps je t'ai cité, hein, donc voilà, tu seras contente. Parce qu'on a prévu de faire un échange toutes les deux par rapport à ce jeu si jamais je le gagnais, et je l'ai eu. Donc c'est super, parce que je n'ai pas encore de Nintendo Switch, je suis à deux doigts d'en gagner une, j'espère que je vais la remporter. Donc là, ah oui c'est vrai. Alors, j'ai remporté avec la marque Giovanni Rana, je vous l'avais dit que j'avais reçu un mail que j'avais été tirée au sort pour ce jeu, et j'avais gagné une machine à pâtes, donc je pense que c'est ça. Mais alors, la particularité de ce colis, c'est qu'il est emballé dans du papier cadeau, et c'est très lourd. Hein. Alors, celui-là aussi, il était super lourd. Voilà, il est emballé dans du papier cadeau, super original, super sympa, ça fait vraiment cadeau quoi là pour le coup. Alors je vais l'ouvrir. C'est sympa quand c'est emballé comme ça. Mais après voilà, s'ils doivent emballer à chaque gagnant. Alors oui, c'est ça, Kitchen Artist, machine à pâte, c'est super lourd. Voilà, donc ça c'est super. Ensuite, donc ça, par rapport à la forme, j'imagine que c'est un livre. J'attends beaucoup de livres, de BD, parce que comme mon fils adore lire les BD, je fais en sorte d'essayer d'en gagner pas mal. Alors là, ouais. Alors, dis ours, tu rentres bientôt? Voilà, donc c'est bien une BD. Alors ça, je l'ai gagné avec quoi? Ils le disent pas avec quoi je l'ai gagné. Little Urban, la collection Little Urban. Super, ah, je suis super contente. Ça fait voir. Ah, j'adore les trucs, la matière, l'odeur. Trop bien, trop bien. Donc ensuite, encore un colis. Ah! Ça, je les attendais. Alors, ça, c'est un lot que j'ai gagné avec Télé de Magazine. Félicitations, vous avez gagné un lot de chocolat Révillon chocolatier. Voilà. Et il n'y a pas mon nom, là? Oh là là! Ouh, trop bien! Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. Il y a 6 boîtes de chocolat. Comme ça. Ah bah, disons, super. Friture croustillante, chocolat noir aux éclats de crêpes dentelles. Oh là là. Ah, je vous dis, là, c'est terrible. Hein. Je suis en plein rééquilibrage alimentaire. J'essaie de perdre du poids. J'y arrive. Mais alors, avec des lots comme ça, ça va être chaud. Hein. Ça va être très difficile. Donc, il me reste encore un lot à vous montrer. Celui-là, il est énorme. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je veux les ouvrir avant, parce que ça fait perdre quand même du temps. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un courrier? Donc ça, c'est un lot que j'ai gagné avec version Femina, un presse-agrumes. Oh là, je suis contente de l'avoir gagné, il est trop beau. J'ai également gagné, comme vous pouvez le voir derrière, le bouquet de fleurs qu'on a été très 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 nombreux à gagner avec de l'acre envoyé par la société Bergamote. Franchement, mais l'emballage, mais génial quoi. Super bien emballé, franchement, trop bien. Trop bien, il est magnifique, il sent bon, voilà, c'était vraiment un super bon plan. Merci de l'acre et merci Bergamote. C'est tout pour aujourd'hui, pas mal de lots. On se retrouve à la fin du mois pour le bilan qui s'annonce vraiment pas mal. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt !